ングが大好きだ。
Bonsoir! Est-ce que ça marche? Oui, ça marche même trop bien. Voilà, j'ai resté un peu loin du micro, il a décidé de marcher très fort aujourd'hui. Bonsoir à tous, bonsoir Anne Orlando, bonsoir Casartox. Bonne année, bonne santé, santé, bonheur. Je vois dans les cœurs. Hein. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Merci pour l'abonnement, Anne Orlando. Merci pour ta fidélité depuis 18 mois. Yes, super. Enfin voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Bonsoir Gué Bananier. Ah, je ne connaissais pas celle-là. Bonsoir Julius. Bonsoir Mila. Mila, merci. Merci pour ton lien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, que la rentrée a été douce pour vous, si vous êtes rentrés. Hein. J'espère que vous avez eu des vacances. Déjà, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour reprendre la nouvelle année avec tous les gens qui vont raconter leur Noël, leurs cadeaux. Leurs vacances au ski, parfois. Bonsoir, Astanoès. Tout le monde est au rendez-vous ce soir. Hein. Oh, c'est trop mignon. À premier anniversaire, ça se fête. Oh, c'est pour les parents avant toute chose. Hein. Parce que bon, le bébé, il s'en rappelle pas, lui. En tout cas, moi, bien, non, je m'en rappelle pas. Hein. Mais bon, j'imagine que tout le monde devait être ravi. J'ai dû manger des gâteaux, je sais pas. Pas si on mange des gâteaux, hein. Non, j'en sais rien. En tout cas, du coup, je vois qu'il y a eu quand même des Noëls et des réveillons très festifs. C'est super cool. Moi, c'était bien aussi. J'étais chez mes parents à la campagne. Il a fait un temps de chien, mais on était en bonne compagnie, donc c'était plutôt cool. Et puis, réveillon chez des amis, pareil, coolos. Jeux de société, jeux de cartes, bien mangé, bien bu. Un peu trop bu, mais voilà. Mais c'était cool. C'était cool. Et du coup, reprise des streams ce soir. Hein. Reprise de Shenmue. Puisqu'on avait fait deux sessions avant les vacances. On est bien avancé, d'ailleurs, hein, on était à la recherche de deux marins. Alors, où est-ce qu'il y a des marins dans une ville portuaire? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut pas, on peut pas trop boire? Alors, comme dit Barbe Blanche dans One Piece, Balivernes, si j'avais trop bu, je n'aurais plus soif. Voilà, à méditer. Mais bon, voilà, après, tant qu'on peut dormir sur place, y a pas de souci. Faut pas avec modération, faut que je dise ça, non? Boire avec modération, et là, c'est Dry January, donc force à ceux qui en général boivent et qui là ne boivent pas. Ah ouais, mais là, le temps, c'est n'importe quoi. C'est ces streams, on va parler de météo, ça me dérange pas, parce que j'adore parler de météo. Le temps est horrible. C'est vraiment horrible. Il fait trop chaud dans ce pays. On n'a plus de neige, on n'a plus de glace, on n'a plus de gel, on n'a plus rien. Vivement la semaine prochaine hein, qu'on ait un vrai temps d'hiver parce que c'est insupportable, quoi. On se rend compte qu'on en est quand même au point où on espère avoir du gel. Hein, parce qu'il fait trop moche sinon. Là, c'est la faute des fusées, là. Qui mettent dans la lune, bien sûr. Hein. Et les tempêtes, et les inondations dans le nord de la France. Mais après, le bon point, c'est que les nappes phréatiques se remplissent. Donc, hein, à côté de hein, une petite victoire. Hein. Et grosse pensée hein, pour les gens du Pas-de-Calais hein, qui sont en train de pomper la nappe pour essayer de faire baisser le niveau dans leur garage. Ça marchera pas, les gars, je suis désolé. Hein. C'est pas une solution quand l'eau est là, elle est là. On peut un petit peu retarder l'échéance, le temps de dégager 2-3 trucs, mais quand il y a une crue, il y a une crue, quoi. Et là, je pense que dans le Pas-de-Calais, vu combien de temps ça fait qu'il pleut, voilà. Je pense que le terrain est bien bien humide et il doit pouvoir absorber un petit peu. Et au bout d'un moment, que la nappe monte, on ne peut pas faire grand-chose. Donc force à eux. On va peut-être partir sur des considérations plus rigolotes. Hop là, on va passer sur. J'ai un petit problème de son, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Voilà. J'ai le son qui ne s'arrêtait pas dans Chrome. Donc voilà, on est retour dans Shenmue. Donc vous le constatez, hein, c'est la traduction réalisée par Shenmue Master en français. Donc merci Casartox, encore une fois, d'avoir donné le lien pour télécharger cette ISO. J'ai le jeu original, hein, il est derrière, par là. Donc, attendez. Oh, ça. Voilà, le jeu original, je l'ai, il n'y a pas de problème, hein, il est derrière moi. Voilà, donc j'ai le droit, je fais ce que je veux avec. Et ce que je veux, ça comprend également le patché. Voilà.
ce que j'avais avec une petite mémine. Donc, hop, on va relancer le jeu. Vous attendu, bien sûr, hein, parce que l'idée, c'est de partager le truc. Hey, merci, merci pour le... Non, je vois plus rien, j'ai trop de messages, là. Merci, SpeedTorrent, pour ton abonnement. 10 mois consécutifs. Voilà. Alors, on va continuer. Non, c'est chargé. Fichier 1. Attends. Oui. Oui. Alors, il se peut que je dise oui, souvent, ce soir, parce que je suis tombée dans Spy Family. La série animée, là, qui est sur Crunchyroll. Et évidemment, la petite Anya passe son temps à dire oui. Et c'est trop mignon. Donc, voilà. Training. Est-ce que j'avais choisi déjà... Non. Alors, peut-être que je vais entraîner les pieds ce soir. Avant de dormir. Oui. Et quand j'aurai fini le jeu, je pense que, je sais pas, peut-être en 3-4 streams, on verra, on ira faire un tour. Hein. Je récupérerai ma... T'as déjà VIP, Spitoren. J'oublie de retirer le statut VIP des gens. je récupérerai ma sauvegarde de l'époque, avec plein de gachapons et tout ça. Et on ira la charger dans le Shenmue Passport pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Alors, il faut que je trouve un tatoueur à Okayama Heights, mais heureusement, je sais où c'est. Non, SOS Nintendo, bonsoir, comment vas-tu? Bonne année. Non, il n'y a pas de problème, Shenmue, normalement. J'ai un petit doute sur la garde du sabre à récupérer pour le dojo, mais à part ça, je suis quand même assez confiante, quoi. Je pense que j'aurais du mal vraiment à la fin. À la toute fin, il y a un événement. Et... Oh tiens, on peut pas regarder la carpe. Regardez les carpes koi, comment c'est traditionnel. Il fait un temps de chien là aussi d'ailleurs. Cette saison. Ce qui serait marrant, je le ferai pas, mais ce qui serait marrant, c'est de laisser passer le temps volontairement dans le jeu pour que les dates du jeu soient celles des jours de stream. Mais je suis trop en avance, là. Oh, le petit chat! Monsieur, ça va. Tout va bien. Qu'est-ce que tu veux, Megumi? Vraiment? Zeros pourrait se tomber Fantasy Star 2? Oh, kawaii na. Ah, je vais le nourrir. J'ai du salami. Attends, il va quand même pas passer 3 mois sur le jeu et pas le finir. Hein. C'est une blague. C'est pour ça qu'on a des facs aujourd'hui. Franchement, les RPG de l'époque, c'est vraiment l'enfer. Hein. Mais en plus, déjà à l'époque, je pense que les gens prenaient des facs. Enfin, pas des facs, mais des solus où t'avais les solus, t'avais le bouche à oreille. Enfin, il y avait des solutions, quoi. Landstalker sans fac, sans solus, j'aurais pété un câble. Hein. Mmh.
Allez, oh boy. Non, franchement, faut l'envoyer des bonnes vibes. Là, j'étais au bureau, je pourrais pas regarder tout à l'heure parce que c'est Twitch est bloqué au bureau. Mais mais envoyez lui des vibes. Ah, mais là, j'ai encore perdu. Oui, des fois, sur le coup de la colère, on a envie de tout arrêter, puis finalement, on persévère. Hein. On va dire un achat par jour, pas plus. Parce qu'après, j'aurai plus d'argent. Et je veux quand même acheter un gachapon. Un gachapon Sonic. Enfin, un gachapon Sega, quoi. Bah, il stream avec Segamag, hein. Il stream sur le compte Segamag, hein. Alors, Fantasy Star 2, c'est les jeudis de 13h à 15h. C'est quoi ça encore? Ah! Ça stun. Ok. Non, ça suffit. Pas de jeune délinquant, là. Ah oui, il part 3 semaines en vacances. Donc peut-être que voilà, peut-être que ça va leur quinquer un petit peu de partir, de se dépayser un peu. Il était au bout du rouleau, il avait eu des vacances pourries la dernière fois, là maintenant ça va aller mieux. C'est sûr. Hein. Salut chien. C'est-à-dire que j'ai un métier, donc... bon. Je crois qu'il est pas ouvert, en fait, le tatoueur, le matin. C'est que l'après-midi. Ah, mince. Ah. Oui, alors j'ai vu ça. Apparemment, ça tourne très très bien. On a du 20 FPS... Non, 14h. Oh, 14h. Ah là là, que vais-je faire? En attendant que ça ouvre. Ah là 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 là. Quel dilemme. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tomb Raider, franchement, je pense pas que je le ferai, hein, pour info. Hein. C'est vraiment pas un jeu qui m'attire. Je pense que la maniabilité va vraiment me taper sur le système. Ah, il y a les motards, tiens. Est-ce qu'on se ferait pas un petit coup de fléchette? Quoique les fléchettes, j'ai. La récompense. Peut-être faire un petit coup de QTE2. Pour s'occuper. Après, on ira faire un peu de training. Allez. C'est parti. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai rien à faire. Alors. Putain, les réflexes ce soir, c'est pas ouf. Hein. Oh là là, non. J'irai pas très loin ce soir, à mon avis. Oh là là. Oh, je me recule un peu. Ah! Ah! Je vais déraper.
Se concentrer et faut surtout pas se tromper en se mêlant les doigts, quoi. Ah vache, je suis là sur les Grecs. Voilà. Ouf, c'est chaud. Ah non, j'ai fait Y. Réflexe projet diva, ça. Non, j'ai vu une fraction de seconde le chat, c'est tout. Ah, j'ai un cadeau là. J'ai pas de cadeau? Ah, Nardine. Bon, allez, je vais m'entraîner. J'ai dépensé 300 yens, c'est trop là. Je regarde un peu pour tout à l'heure, on sait jamais. Si j'ai encore un truc à faire pour attendre. Donc là. Ah non, pas VF, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Les jeux les plus récents, c'est Space Harrier et Hang-On. Et la Master System, mais faut gagner les jeux... Faut gagner les jeux au tirage au sort en achetant soit des chocolats, des caramels ou des chips. Et tirer le bon jeu au sort. Donc c'est chaud, quoi. Bon, c'est quoi les pieds? Ah, c'est les pieds. Attends, c'est quoi? Ah, ça, c'est ce coup-là. Alors, c'est ce coup-là qui est important. Ben, Virtua Fighter, c'est de la Saturne. Enfin, c'est du modèle 1 ou Saturne au choix. Et c'est un peu compliqué pour une Dreamcast, je pense, de mettre dans un jeu Dreamcast un jeu Saturne, tu vois. Ou un jeu à modèle 1. Déjà à l'époque, quand on voyait qu'on avait des jeux d'arcade, version arcade, peut-être pas perfecte, mais en tout cas, voilà, quasi quoi. C'était ouf. Avoir des jeux dans des jeux comme ça. En plus, intégrer de cette façon-là, pas juste un mini-jeu durant un loading, comme dans Ridge Racer, c'était incroyable. Ce coup là. On y retournera sur le chemin. On va y retourner. Le coup du soleil, hein, son coup de dos là. Je crois pas qu'il l'ait, Rio. J'ai ça.
Ça, je l'ai pas. Mais Twin Blades, ça fait tac-tac. Donc, c'est pas ça. Après, en coup de pied, j'ai tout. Ça, c'est les chopes. C'est peut-être le Shoulder Buster. Mais je pense que c'est plutôt un. C'est plutôt une chope, le Shoulder Buster. Ouais, c'est une chope. Donc, non, il a pas son coup là, Akira. En fait, c'est marrant parce qu'on n'a pas tant de coups que ça. On avait l'impression à l'époque d'avoir une. Ah bah voilà! Attends, du coup, c'est quoi Twin Blades? Je sais plus comment on fait. Twin Blades. Attendez. Twin Blades. C'est ça. Tac, 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 tac. Ah, du coup, je vais progresser un petit peu celui-là. Et je vais mettre. Je vais mettre sur celui-là sur R. On peut le mettre sur R? Non, dans les options, je pense. Twin Blade, c'est même manip. Ah. Il est méga lent là, j'ai intérêt à l'améliorer. Ah, truc chiant à Shenmue dans les combats, c'est que la caméra bouge et te change de côté. Je crois qu'après, je peux retourner aussi au dojo pour me taper sur Fukusan. Hein. Non, encore un petit peu. J'ai vraiment intérêt à améliorer celui-là parce qu'il est trop lent. Même ça, ça. Ça, c'est super important comme enchaînement. Ça fait le ménage, ça. Peut-être que je pratiquerai un seul coup en prochain dodo. Midi et demi, encore un petit coup. Alors, comment on voit que ça level up? Mince. Attendez. Non, 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 non. On voit en fait, on voit trois petites barres. Hein. On voit une sur l'écran, on voit une barre bleue en bas débutant, en prête à la barre modérée et la barre avancée. Et quand tu passes la barre modérée, en fait, tes coups s'upgradent. Hein. Deviennent plus rapides ou plus puissants ou la recovery qui est plus rapide par exemple. Il faut beaucoup 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 travailler comme dans la vie pour que ça s'améliore. Hein. À l'époque j'ai passé à l'époque j'ai passé vraiment des sessions entières à ne faire que ça. Hein. Là je vais vous l'épargner, hein. Je vais faire juste quand j'aurai du temps à perdre. Hein. Mais vraiment, t'as intérêt à vraiment upgrader certains coups parce qu'à la fin, il y a un gros gros combat. Pas de la triche, hein, c'est juste qu'on pratique et que du coup, ça s'améliore. Ça, c'est Akira. Bon allez, on s'arrête là. De toute façon, le temps d'aller jusqu'au truc, il sera quasiment 14h. Les points ont bien augmenté là, mon petit coup de coude l'a bien augmenté, c'est pas mal. Par contre, faut vraiment que je bosse. Où est-ce qu'il est? Lui là, faut que je le bosse la nuit, hein, parce que sinon, ça va être pas possible.
Lui aussi, il faut que je le bosse. Bon. Bon, allez. Allons voir le tatoueur. Et donc, un petit passage à la salle d'arcade pour montrer à SOS Nintendo les salles d'arcade auxquelles on a accès. On n'est pas si loin, hein, 7 décembre. Donc, on a 5 jeux. On a Space Harrier, QTE Title, Excite QTE 2, Engon, qui est là, sa version Taycan, et ben les fâchettes, voilà. Mais complètement Julius, effectivement au tout début ça devait être VFRPG Shenmue. Et Ryo devait être un jeune Akira Yuki. D'ailleurs on voit, il y a encore un reste de ça puisque on voit que Ryo a un sparadrap à l'endroit où Akira a une cicatrice. Et sans compter des coups identiques, tout ça. Là, j'ai le temps d'acheter un truc automato. Je sais pas pourquoi vraiment ça a bifurqué après, au bout d'un moment. Mince. Ah, des caramels. En fait, Akira, il est connu pour ses coups. Des coups qui ont très peu d'amplitude. Mais il se déplace beaucoup, il met beaucoup les coudes en fait. Et donc, le coup de coude de Ryo, il fait comme ça là. C'est un coup d'Akira. C'est son coup signature en fait. C'est deux fois avant-point et c'est comme dans Shenmue. Ah, un gâchapon random, trop bien. Amuse-toi bien. Oh, paille, cool. Je n'en reviens pas qu'on ait jamais eu la musique de Shenmue de Tomato Store dans Yakuza. Pour moi, c'est une incongruité, quoi. Et oui, mais Godzilla Minus One qui sort en salle. Allez voir Godzilla Minus One, c'est trop bien. C'est vraiment du Godzilla comme on aime, qui pète tout, qui bouffe des bateaux, qui est indestructible, c'est vraiment classe. Moi j'avais du pot parce que j'avais eu une séance à côté de chez moi, raison pour laquelle je m'interrompis ma participation à l'émission de Parker. Parker, désolé. Et qui était uniquement en Dolby. Et pas en 4DX, et pas en rien du tout. Donc ça m'a coûté que le 8 balles plus supplément Dolby, donc genre 15 balles quoi. Non, si tu peux le voir sans avoir absolument rien vu. Même le premier Godzilla de 54, c'est pas la peine de l'avoir vu. Même si tu connais pas du tout Godzilla, tu peux y aller. Il est relié à rien du tout. Donc vas-y avec un esprit... avec un esprit neuf hein, et ouvert. Hein. Après, on peut ne pas adhérer aux parties un peu dramatiques avec les acteurs humains, on va dire. Moi, je sais que j'ai pas été fan vraiment d'interprétation du héros, mais les scènes avec Godzilla sont tellement cool. Le monstre est tellement bien iconifié. Ah, je crois pas pour le noir et blanc, Kazatox. Je crois que ça ressort en couleur. Il faudra sûrement attendre un éventuel Blu-ray pour l'avoir en noir et blanc. Eh ben, il est 14h, hein. Allez, on rentre. Est-ce que le Japon, hein. Et on, c'est pas Ink Master ici, hein. Regardez-moi ça, comment c'est dégueu, ça bave de partout. Shut up! You dat yara tadaro. Ano schoolboy ni.
Putain, alors les Américains qui parlent japonais avec un accent américain, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est la cuisine, quoi. Charlie, nara, soko sa, nemutteru. Daga, eta ni okosu to kega suru ze. Attention. C'est pas lui. Parce qu'il a un charisme, Ryo, quand tu vois sa tronche dans le 3. Demain 15h, hein. Sérieux quoi? Les gars! J'ai une journée à tuer là, c'est l'enfer! Hein. Peu. Ah! Heureusement, il se passe un truc. Ils s'appellent par leur nom de famille, ces deux bêtas là. ハズキ君を探してたの。え?この辺りでハズキ君を見かけたって友達から聞いたから。でも、なんで?今日の学校の志望校の認定証、ハズキ君来なかったじゃない?ああ。もう志望校決めてるの?いや、でも行くなら空手部のある大学だ。そう。パドゥカラテ行きたい。そう、受験準備も追い込みよ。 Vraiment que karaté soit un terme générique pour désigner les arts martiaux avec des poings et des pieds au Japon, peut-être, je sais pas. Ça, c'est la zone, mec, c'est à 50 mètres de chez elle, hein. S'inquiète pour moi, bah oui. Est-ce que je vais la voir peut-être? En marchant, j'ai que ça à foutre. Hein. On va admirer le paysage. Hein. Elle est pas au travail. Hein. J'ai officiellement plus rien à faire en fait de la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de hang-on. Et je vais tourner au dojo pour casser la figure à Fukusan et m'entraîner. Voilà. Ça va entraîner mes chops comme ça. J'aurais pas trop perdu mon temps. En plus, ça va 15h! Ah mais 15h On avait dit un petit hang-on, hein. En fait, faut vraiment optimiser à mort hein, pour faire un speedrun. Hein. Mais en même temps, non, parce que... Oui, si, regarde, faut aller chez le tatoueur à la rigueur à 19h50. Pour aller se coucher direct après. Et hop, enchaîner le lendemain sur le rendez-vous à la salle d'arcade.
Miyu, t'es un peu devant l'écran, cocotte. Ça va quand même mieux quand on joue au stick, hein, par rapport à la dernière fois. T'es devant l'écran, Miyu! T'es devant l'écran, bébé! Allez, bouge, ma caille. Ah, c'est foutu, là, déjà, tu vois. Bah oui. Ah, c'est pratique, hein. Ouais. C'est pas facile, hein, moi, je vous le dis, hein. Ah, la saleté rentre dedans, en plus. Mais oui, bébé. Attendez, parce que là, c'est pas possible. Allez, ma nanette. Tu te poses? Tu te poses, ma caille? Hop. C'est bien, là? Voilà. Allez, 4 camas. Regardez ça. Une minute. Hein? Tu veux être sage? Oui, tu veux être sage. Allez. Je vous jure. Attention. Attends, je les crame tous, mais jamais de la vie, je vais y arriver. Hein. Oh, si, c'est bon. Oh là là. Ah, mais saleté! Ah, cette musique, quand même. Il veut dire que le super, il transcende ça encore, hein. Mais là, il va recommencer, hein. Ah, au bout de 3 crashs, on... Ok, bah d'accord. Bon bah, game over. J'aurai le temps. Ouais, j'aurai le temps. Bon, ça suffit. Hmm. Alors, cocotte. Je retourne à ma maison. Quand j'aurai plus d'argent, j'irai au Bashinasu. Mais là, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Ah, c'est par là qu'un raccourci. Ah, par là. Ah, vas-y, tourne, tourne. Attendez. Non, c'est pas là. Bah, c'est pas un raccourci par là. Pour repartir à ma maison. C'est sûr que si. Si, c'est là. Hmm. Ah, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je peux écouter des cassettes, hein. Attendez. Faut que je... Voilà, on va utiliser le lecteur cassette, hein.
Mais le temps passe, ça c'est cool. Cette musique, elle est incroyable quand même. Ah là là. On s'occupe comme on peut, hein. Allez. Et voilà, et ça évite de devoir tout se retaper. Non, le chat déjà eu à manger. Ça mieux? Bon, oui, ça. On vient un peu. Peut-être là. Attends, mais tu m'apprends un truc, la Casartox, hein? C'est quoi la version japonaise, hein? Ça aurait été trop bien d'avoir ça en version, version européenne, hein? Il est pas là, l'autre nul, hein? Il est même pas là, ah! Oh. Qui voulait le taper, là? J'ai une joie. Bon. Ah, oui. Mais ah, du coup d'accord, c'était d'autres musiques que celles qu'on avait en jeu. Par exemple, c'était pas les musiques qu'on avait au jeu de danse. Hein. Est-ce que je pourrais me coucher à 17h? C'est un peu tôt, non, pour se coucher à 17h. On va voir. Oh non, trop bien. Ah, je suis au coucher. Oh non, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour se coucher. Bon. Bon, bah écoutez. Écoutez, on va retourner faire des trucs. En plus, il pleut. Je crois que c'est 20h pour se coucher, en fait. Qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper jusqu'à 20h? Je peux même pas m'entraîner. Normalement je peux, mais ça se trouve, comme j'ai déjà mis le sbul dans le dojo, ben, ça marche plus de s'entraîner quoi. Si j'avais su. Bon, eh ben, écoutez, entraînement, entraînement. Pendant hein. Que je vais faire un petit... de fléchette, essayer de battre mon record aux fléchettes. Tiens, où est-ce que j'atterris si je descends par ici? À part chez les gens. Eh bien, chez des gens. Ça n'a aucun intérêt.
Bon, bon, bon. Je comprends que ça a dérouté à l'époque, hein. Qu'est-ce que je fais? Machine à sous ou jeu d'arcade? On va faire la machine à sous. Parce que ça ouvre plus tard et l'arcade, je pourrais y aller demain matin en attendant que le... De toute façon, c'est là que j'ai rendez-vous, l'arcade, demain. Donc je vais pas y aller non plus, quoi. Ah! Pas que je rince encore, lui? Yo. Ah, Maido! Comment ça va? Mais le pique-assiette, hein. Oui, d'accord, mais enfin... J'ai pas la bourse à Rothschild, hein. C'est toi qui as un métier, c'est toi qui es payé, hein. Non, enfin, je pense qu'en traçant, en 15-16 heures, c'est fini. Donc là, ce soir, ça fera 3 ce soir. Oui, ouais, peut-être encore 5-6. Hein. Mais après, ça enchaîne, hein. Eh, hey, salut, Mano Diesel, hein. Comment ça va? La bonne année? C'est quoi? Ben, je vais aller au restaurant. Merci, merci. Mec, tu bosses dans un restaurant et t'as pas de quoi boire, hein? Tu te fous de ma gueule, hein? En vrai, je pense qu'il me drague. Je tente un truc. Parce que je sens que j'avais un pied plus bas que l'autre. Je pense qu'il prend en compte les bordures. C'est tout le resto, c'était par là. Hein. Est-ce qu'il me paraît un bol de ramen, cette espèce de grosse pince là? T'as jamais joué à Shenmue, Manu Diesel? Bon, toi t'as l'air paumé, personne pour me donner à manger là-dedans, j'ai compris. C'est par là. Alors là, c'est là que il y a moyen de passer toute sa vie, ce que j'ai fait à l'époque. Parce qu'on peut rester après le couvre-feu. Attends, faut que je prenne des jetons, je crois. Ah non. Irasshaimase. Koko no slot machine wa dore mo omoshiroi desu yo. Anata mo un o tameshite wa ikaga desu ka? Yeah. Mata kondo. Non, 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 j'y vais. Attends, je crois qu'il faut acheter des jetons au mec là. En fait, tant que tu sors pas du truc là, le couvre-feu s'applique pas. Tu peux rester jusqu'à 23h minuit passé. C'est l'astuce. Ah oui, allez, on y va. Après, tu te fais engueuler par Inesan parce que t'es rentré tard, bababa, mais tu peux passer le couvre-feu. Allez!
Et ça part très très... Voilà. Ça peut vraiment... je comprends que les gens soient accro à Vegas. Hein. Moi j'ai gagné. Je crois que si, parce que tu le ramasses quand même systématiquement en partant. Il y a un truc comme ça. Alors, faudra vérifier. Maintenant, on peut parier sur les lignes. Ou sur les... un pari, c'est les lignes du milieu. 2 et 3, c'est les autres lignes horizontales. Et 4 et 5, c'est diagonale. Allez, on parie tout, là. Allez, all in. Miyu, t'arrêtes ? Miyu ! Venez dans mon coca, là. Allez. Miyu, t'es devant l'écran. Je peux rien faire, là. Allez, Makai, tu bouges. Allez, ma nanette. Dans le fauteuil. Attention. Hop, t'es tombé. Ça va ? Ça va, Makai ? Oh, non, moi, ah, je gagne pas ce que je gagne pas ce que je parie. Ah, tu sais quoi? Je mets tout. Allez. Ah, presque. Ah, j'ai plus de sous. Ah, j'en mets encore un peu, voilà ce que ça va faire. Allez, 200 yens. Bon, j'aurai un métier bientôt, alors. Ah, c'est nul, hein. Ah, là, ça vaut presque le coup. Allez, le jackpot, le jackpot, le jackpot. C'est bon, ça. Oh non, c'est pas aligné. Bah, j'avais 7-7. Normalement, 7-7 à autre chose, ça fait... Bon, je... Peut-être ou des verts ou des rouges, mais pas de mélanger peut-être. Allez, non, c'est nul là. Allez, on va tenter ça. Ça n'a aucun intérêt, d'accord. Hein. Mais je pense que c'est deux sets, quels qu'ils soient, mais pas mélangés, à mon avis. Allez, 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 allez! Allez, allez, cerise, 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 oui. Bon, non, c'est pas ouf. Ah, presque. Allez, dernier pari. Après, on va se coucher. Pas moi, hein, Rio.
Ah bah. Je gagne, j'y peux rien. Hein. Oh non, presque. Bon, je m'en vais. Hein. C'est pas là. Ah voilà, j'ai craqué tout mon argent, super. 300 yens fichu en l'air. Oh, il neige, cool. Je sais pas si vous le savez, mais la ville de Yokosuka, où se déroule l'action de chez nous, existe vraiment. Et ils tirent un peu parti de la célébrité via le jeu, pour leur tourisme. On peut visiter la ville et ils font une brochure pour retrouver les endroits emblématiques de Shenmue. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de visiteurs hein, qui viennent faire un pèlerinage tous les ans. Mais c'est quand même sympa. Toi tu balayes la rue. Alors est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il me semble qu'il y a une quête annexe cachée. Avec un petit vieux qui nous apprend des coups. Ah. Non, je vais me coucher. Il me semble qu'il y a deux petits vieux qui ont des manuscrits pour nous, si on s'entraîne avec eux. Mais il y a un moment précis pour les trouver, un moment, il y a un lieu précis. Et je crois qu'il y en a un des deux qui est dans les petits parcs. La salle d'arcade de Buita et l'autre c'est le petit vieux qui est dans le Yamagata là qu'on avait trouvé au début de la partie. À l'époque c'est plus que ça je pense, me disait la 300 yens. Je sais pas s'il n'y a pas du lait dans le frigo pour le chat à la maison, je vais regarder quand même. Il me semble que si. Allons voir dans la cuisine. Ah voilà, du lait. Il me semble bien. Bah prends-le, hein. Yoshi, motte itte yaru ka. Allez, dodo. Je suis épuisé de ma journée à n'avoir rien fichu. Voilà. Alors, on va entraîner... oui, je vais entraîner ce mouvement-là. La bière pour chaton. Ah, mais je me suis... Voilà, j'ai tout donné. Allez, petite sauvegarde avant d'aller se coucher. Et on retournera tuer le temps demain, avant le rendez-vous à la salle d'arcade à 15h. Et mais en 86, ça vaut combien? 300 yens. C'est ça qui compte. C'est à 86, combien ça vaut 300 yens? Il se passe un truc. Oyaji no kataki wa
必ず取る。Ah, entraînement. Ah, voilà. Fuxan, Angina. Je vais te défoncer, mon gars. Voilà. Ah, ça se passe pas faire. Ah, il me l'a fait. Ah non. Allez, ça dégage. Non. Ah, attends, je vais te choper, je vais te choper. Yes. Je fais ce que je veux. Allez, bim. Aha! Et mais en francs. Ah, vas-y. Sors-nous 300 yens en francs en 86, on fera la conversion en euros. Lucas, t'es de chinois, mais c'est trop dangereux! あんな恐ろしい奴らを相手にするなんて。そうするしか他に方法はないんだ。気持ちはわかりますよ。でも危険すぎます。先生でさえ。覚悟。Je vais m'entraîner plus fort que mon père, hein, pour pouvoir le venger. 俺先生に申し訳が。Parce que t'as un gros nul, hein. まさか、リオさん、そのためにいきなり稽古を。そんな。お願いです。考え直してください。もう決心したんだ。俺は行く。うん。リオさん。ミネさん、聞いてたのか。どうかおやめください、リオさん。できない。そこをどいてくれ。お願いでございます。先生のご意志をお継ぎになり、道場をお守りください。俺には親父が人を殺すとは思えない。リョウさん、お待ちください。Et mon argent de poche? お渡ししたいものがございます。Ah, mon argent de poche. Non, c'est pas l'argent de poche. Ça me passe le temps au moins.先生がお亡くなりになった後で届いたものでございます。不吉な予感がして、リョウさんにはお渡しすべきでないと思い、今日までしまっておりました。中国語の手紙。でもどうして？これ以上、危ない真似をしてほしくないからでございます。どうか亡くなられた旦那様を心配させるような真似は慎む。うんいいねと約束してください。イネさん。どうぞ、いいねと約束してくださいまし。わかった、約束するよ。きっとですよ。Mais beaucoup trop de gel. Qu'est-ce qu'il a promis au fait ? Une lettre en chinois. Bon, bah écoute. Ah, je suis pas du bon côté. Si, c'est bon. Bah oui, non, on va le dépenser avec sagesse. Et discernement.
coup, faut que j'aille voir mes copains chinois pour qu'ils m'a traduit cette lettre. Hein. Ça m'occupe les tiens. Oula, non. Ryo-san, soyeba, Ine-san to nani o hanashite tan desu ka? Ah. Tegami desu ka? Chugoku-go? Masaka, sensei o koroshita hannin ja? Wakaranai. Chikushou! Dareka chugoku-go no yomeru hito ga iru to iin dakedo na. Ah là là. C'est subtil, hein, les aides de jeu, quand même. Hein. On va commencer par aller voir le coiffeur. Hein. C'est sur le chemin, en plus. Mais maintenant, 12 francs de 86, ça fait combien d'euros de 2000 de... attends, si, on peut faire un truc rapide. Je pense que 12 francs, tu peux doubler, à mon avis. Tu peux plus que doubler la valeur. Hein. Donc, ça veut dire que 12 francs de 86, ça fait à peu près, je pense, 30 francs. Ouais, 4,50 euros, 5 euros, quoi, un truc comme ça. Moi, je dirais 5 euros, à peu près. Ouais. Oui, ça va, ça va. C'est pas... Je suis pas ruiné non plus. Oh, t'es réveillé? Yes, yes. Ikoda. Allez, un petit peu de lait. Allez. Hola, nomina. Umai zo. Après, je pense que c'est quand même pas mal, parce que si elle me donne, Ine-san, si elle me donne 500 yens. Et 500 yens, ça fait 12 balles. Hein. C'est pas mal, 12 euros par jour avec ma jambe de poche. Hein. Y'a pas de quoi se plaindre. Hein. En fait, il est bourré de thunes, hein, Ryo. Il est pété d'oseille. D'autant que bon, il dépense pas d'argent en fringues, dans les filles. Oh! Décidément, que d'événements ce matin. Ah! Musique bagarre. Quel homme. Ouais, bah 10 balles par jour, ça fait quand même 300 balles par mois. Hein. Allez, ça dégage. Ah, je me fais défoncer. Ah, t'es costaud. Après, je regagne de la vie en gagnant un peu de temps. Voilà, ça dégage. Quel talent! Ah, mais tu parles chinois, toi? Ce serait pas un peu étranger, toi, dis-donc? Hazuki-ryo.
mais t'en connais des Chinois. Bon, alors. Je vais demander aux deux commères là, elles sauront, je pense. Alors. Ara, Ryo-chan. Kondo-san, tu veux que tu te dis 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 va demander aux Chinois là. Mais avant, une petite friandise. Mais Ryo, c'est un bon gars. Non, non, pas de calamar. Je prends du chocolat. Non, non. Voilà. Je vais tirer au sort un petit cadeau. Ah, j'ai rien. Quelle arnaque. Allez, on va demander les Chinois à Doguita. Au moins, je vais pas pouvoir ôter jusqu'à 15h. Ah, il y a le vieux là, je lui ai parlé. Est-ce qu'on n'est pas sur un rythme trépidant ce soir? Yamagi-san. Oh, Ryo-kun. Chugoku ga yomeru hito, shirimasen ka? 中国語か懐かしいな。陸軍時代に少し習った。というより習わされたんだが。読めるんです。ouais, ah, mais c'est le restaurant chinois, Jiichi. Pas l'air de chinois. Faut trouver quelqu'un qui parle chinois. Yeah. Allons trouver un chinois. Bon, tu n'es pas là. Au moins, il ne pourra pas me taxer. Eh, merci pour l'abonnement, Manu. Oh, ça rigole pas, là. すいません。どうも、あずきさん。この手紙を読んでもらえませんか？中国語だと思うんです。ああ。なんて書いてあります？すいません。 Bon. C'est sûrement inversé. Je crois qu'il faut un miroir, un truc comme ça. T'es qui toi? T'es un yakuza toi? すいません。俺か？中国語が分かる人を知りませんか？中国語なら少しは俺も知ってる。読んでほしい中国語の手紙があるんです。悪い。俺字読めない。そうですか。Dans quelle photo à côté de la porte? Chez le barbier? De toute façon, lui, ça va, lui, il est pas louche. Hein. Non, mais lui, il est pas louche, le barbier. C'est pas la question. Excusez-moi. Ah,
Faut sortir, Miss, un peu, hein. C'est quoi ici? Oh, c'est la voyante. Ah, c'est la voyante en fait qui te. Qui t'aide quand t'es un peu perdu. Je vais vous montrer. Voilà. Et elle peut aussi donner des chiffres porte-bonheur, notamment pour les machines à sous, par exemple. Pour gagner aux machines à sous. Mais je vais pas dépenser d'argent parce que je sais ce qu'il faut que je fasse pour l'instant. Ah non, c'est pas louche ça, qu'il y a des coupes occidentales. Hein. C'était à la mode des années 80. Donc c'est pas spécialement bizarre. Hein. Ah non. C'est fermé. C'est fermé, ça ouvre à 15h. J'ai pas vu le panneau. Je me donne, tiens, à lui. Après. Passer le temps. Super, tu seras à rien, mon gars. Ils sont ouverts, non? Ils sont ouverts. Toji-san. Après, ils ont quand même au moins 4 ou 5 commerçants chinois dans leur quartier, tu vois, donc... Alors, c'était qui? Wang San. Il est en livraison dans le coin. Oh, bah... À tous les coups, il a soif, il s'arrête un distributeur. Si c'est ça... C'est assez brillant, les canettes de Tchekhov. Espèce de grosse feignasse, là. Est-ce qu'il est par là? Tiens, regarde ça! Le coca de Tchekhov. Vous me donnez l'idée d'aller voir au distributeur où il est. C'est quand même pas mal, hein? Ah, Maïdo! Qu'est-ce que tu as fait? Nodo, je vais le rincer encore une fois. Tu parles, sympa, sympa. Tu te files un Fanta raisin, c'est bien dégueu. Fanta orange, tiens, bien chimique. この手紙
読んでもらえないかな。ああ、僕読めない。この文字変です。そうか。悪いです。いや。ああ、僕日本語を教えてもらってる人、字得意。聞いてみるいい。なんていう人なんだ。修玉さん言うです。J'espère qu'elle est ouverte, hein. Je vais pas revenir demain. Je pense que lui, sa tronche est tirée d'un dirigeant de Sega, non? Vous croyez pas? Genre le président de l'époque. Alors, le magasin de porcelaine, Russia China Shop. On va se trouver un petit plan du quartier. Alors, c'est où? Ah bah, c'était juste derrière moi. Juste derrière. Je trouve qu'il a une tête trop particulière, trop bien faite pour être un nobody. Je me renseignerai. Hazukiと言います。C'est marrant parce qu'à refaire le jeu, je me rends compte qu'on a beaucoup tous reproché, moi y compris à Shenmue 3, de pas du tout faire avancer l'intrigue. Mais là, en fait, Shenmue 1, ça n'apporte pas du tout l'intrigue. Il fait vraiment pas grand-chose. Mais Shenmue 1, il n'arrive pas 20 ans après le dernier épisode qui était censé faire avancer le truc. En plus, à l'époque, la technique suffisait, quoi. Ça suffisait vraiment de voir les... Et possibilité que qu'offrait le jeu à l'époque était vraiment révolutionnaire, hein. Franchement. Le fait qu'on fasse trois fois rien et qu'on fasse des tâches vraiment hyper quotidiennes, c'était ça la révolution. Il fallait être sacrément aigri pour en vouloir plus et pour pas être content déjà. Même si la partie de la presse n'était pas contente, hein. Des pisses froids. Yandatsu. Jin Taijin. Ara, ura ni mo nani ka kaite arimasu ne. Kenji Fu, Chou Taolong, Tijimu, Oda yo. Douyu imi desu ka? Chichi naru ten, kokonotsu no ryu, haha naru chi. En même temps, ça posait tellement de trucs mystérieux, de pistes, hein, pour la suite. Hein. À Code Veronica. Je serais pas une grosse flippette, je le ferais. Mais déjà Resident Evil 1, j'avais pas réussi à le faire à l'époque, j'avais trop peur. Hein. Bon, maintenant j'ai quelques années de plus, donc ça devrait pouvoir être possible, mais... J'appréhende un poil quand même. Hein. Bon, on a un numéro de téléphone à appeler.
pour le fun, je vais demander un téléphone, même si je sais où est-ce qu'il y en a un. J'ai vu Vermine. J'ai survécu à Vermine. Tobacco Shop, c'est tout au bout. On va parler un peu de Nozomi, tiens. Harasaki. Hazuki-kun, relaxe et te dire que tu es sûr que tu es sûr. Viens là, toi. T'as pas école, on n'est pas mardi. Nakamura. Hazuki-kun. Lundi. Ça c'est plein de microbes, hein. Elle te sent le PNJ random parce qu'elle a même pas de polygone, hein. C'est une texture sur le visage, débrouille-toi avec ça. Alors que Bob, lui Bob, il a un vrai nez. Tom. Tom. Enfin, j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Ouais, il a un vrai nez. Je doute. Allez, téléphone. Alors... attends. C'est quoi le numéro ? Ah. Non. C'est quoi le numéro ? J'ai dû le marquer. Je vais le marquer quelque part. Un stylo ? Où est-ce que je vais trouver le numéro ? Sur la lettre, hein. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette manec ? Où est-ce que... ah, elle est là. Alors. 04. Ah, ça écrit pas. Code péripétie aujourd'hui. 04 68 61 56 47. Alors, 04. Soixante-huit, 61, 5, 6, 4, 7.
C'est intéressant ça, comme anecdote. Allez, Master Chen. Camarade ? Non, non. Alors, flûte. Je note. Alors. Father's Heaven. Nine Dragons. Mother. Comrade. Ok, on recommence. Allez. Imaginez le mec qui dépense tout son pognon dans les jeux vidéo, qui se trouve sans argent pour faire ce numéro de téléphone là, et qui doit du coup aller dormir, passer le temps pour avoir les 500 yens pour téléphoner. Suspense. La terre mère, comme Red. Nine Dragons. Ah! Claque, ça raccroche. Si, effectivement, il y a un téléphone à la maison. Tout à fait. Mais je me demande si je pourrais faire ce numéro chez moi. Ce n'est pas un petit peu trop dangereux. Un entrepôt ? Est-ce que ce serait pas sur le port, hein ? Ça ne sert à rien donc. Je vois un petit parc là, des fois qui est vieux pour m'apprendre les arts martiaux, non? C'est vrai que c'est pas super, super prudent de faire ça. Ça va, je t'agresse pas, pourquoi tu m'agresses? Et méchant le vieux là. Ah oui, toi c'est la momie. Ok. Toi tu vas te chier dessus donc. Toi tu sauras pas à mon avis. Ah, je sais pas hein. Bonsoir mon Yertozing, bonne année. Bonne santé. Tu sais peut-être toi. Et pas, c'est pas un numéro, genre une espèce de numéro spécial pour rappeler quand on t'a raccroché au nez, un truc comme ça. Miyu, t'es relou. Bon, toi t'es nul aussi. C'est au port l'entrepôt. Yokosuka, c'est une ville portuaire. Hein. Voilà. Voilà, tu te poses. On va demander à Tom. Il ne saura rien, Tom. Hein. Tom, il danse, il est là. Hey, Ryo! Very fine, eh? Ryo,
Je suis pas un hot dog, j'ai un entrepôt. Mais vous êtes tous neuneux dans ce village, hein. Enfin, je suis entouré par les débiles, hein. Non mais... Entrepôt, entrepôt... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, hein? Non mais vraiment, le 8 c'est pas après le 7, hein, mais avant le 9. Ah, c'est vraiment des paysans là-dedans. Il saurait peut-être lui. Oui. Tu sauras, toi, attends, toi t'es... Regarde, toi tu vends des poissons, toi tu vends des légumes. Peut-être que t'as affaire avec les gens sur le port, hein, tu sauras dans l'entrepôt. Oh, c'est un complot. C'est un complot. Bon, on va voir mes potes les commerçants. Peut-être qu'il serait le vieux, là. On dirait pas ça complot un petit peu à la Wickerman. Une fille, non, je connais pas ce prénom. Qu'est-ce que ça peut te foutre, hein? Oh, ma sien, il sait. Hein? Même lui, il est saoulé. Pharmacien. Bac plus 7, les enfants. Ah, maintenant tu dis. Ok, hein, je dégage. Mince, je me cours. Bon, j'ai un annuaire à la maison. Je vais quand même demander au restaurant parce qu'ils ont peut-être une autre piste. Est-ce qu'il y avait un annuaire? Je crois qu'il y avait un annuaire, non? Est-ce qu'il y avait un annuaire au bureau de tabac? Là, on se pose des questions. Le port, faut prendre le bus pour aller au port. J'ai pas accès encore au bus. Alors, je vais te retourner. Il me semble qu'il y a un annuaire à côté du téléphone au marchand de tabac. Les enjeux sont incroyables. Il y a un suspense ce soir. Il y a un annuaire. Putain, j'ai... Attends, la manière parce que pas, elle va être fermée. J'aurais plus accès à l'annuaire. Alors, si on traîne vraiment beaucoup trop, et qu'on va jusqu'en avril, je crois, on a la mauvaise fin. On a en gros 5 mois pour résoudre le mystère de notre père. En fait, si tu traînes jusqu'en avril... Amihama. Du coup, on demande à la vieille, hein. On parlera pas trop, je pense, la vieille. Je vais peut-être quand même essayer pendant qu'elle est encore là. Non.
Non, non. Oh mon dieu. Merci madame. En même temps, elle est littéralement à 10 mètres de l'arrêt de bus. Hein. Merci. Peut-être que c'est un peu tard pour y aller. Et là, du coup, j'ai accès à l'arrêt de bus. Regardez-moi ça. Alors, on est quel jour hein? Il passe à l'ennemi. Hein? Attendez, quel jour? Lundi. Est-ce que j'ai le... Ouais. Bon, je pense que j'aurai le droit de prendre le bus à cette heure-là, à mon avis. Même s'il fait un petit peu nuit, déjà. Alors, le bus. Il est là. Allez. Let's go à l'aventure. On change de quartier. Youhou. Ça me coûte 160 yens pour y aller. Hein. Ah, disque infini. Bah écoutez. On s'arrête pas là, on continue encore un petit peu. Hein. Parce que là, pour l'instant, en... 1h40, j'ai fait des jeux vidéo, j'ai fait de la, un peu de bagarre, j'ai trouvé des Chinois. Alors, est-ce que je peux faire un soft reboot? Ouais, je pense que ouais. J'ai pris le bus, donc grosse journée. Hein. Oui, pardon, je suis sur une vraie Dreamcast. Comme vous pouvez le voir. C'est juste que j'ai mis un GDMU. Pour faciliter la vie, j'ai la console qui est là, hein, le VMU avec, vous voyez, hop, la manette. Alors, Shenmue 2, 2 sur 4. Pas la peine de se lever comme ça, et on dérange pas Miyu. Mouniouniout. Ça évite de graver en plus les disques pour jouer à des jeux hackés. C'est parti! Attention! Nouvelle musique, nouveau lieu. Ah, moi j'ai les deux jeux en version PAL pour ma part. C'est trop bien le GDMU, hein. C'est hyper pratique. C'est très facile de charger les jeux avec l'outil dédié. Franchement. En fait, je vais aller me coucher parce que là, je vais avoir une heure devant moi avant de devoir rentrer à la maison. Je vais pouvoir rien faire. C'est pas grave. Putain, je me gourre tout le temps. Alors, l'entrepôt numéro 8, où est-il? Ah! Ok, oui. Hmm? Je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. En fait, j'ai pas beaucoup traîné ce soir parce qu'il y a un truc, une pièce d'épreuve un petit peu, voilà.
Une séquence qui peut être un petit peu relou, je la ferai la prochaine fois. Kuze! Miyu Makai. Mais oui, putain, elle était devant l'écran! Oh, j'ai encore raté. Bon, c'était B. C'est une Pompadour, ça. Geek. Courage pas téméraire, hein, Goro. Hein. Ah bah il fait nuit. Bon. Attends, faut arriver au 7, hein. Toi, je t'aime bien. Toi, t'es mon pote, plus tard. Ah non. Sorry. Bon bah, pas maintenant, plus tard. Alors... Entrepôt numéro 8. C'est là. C'est là et... すいません。何かご用ですか？あ、いえ、ちょっと。この時間だと不法侵入者に間違われますから。 Voilà. Donc là, je dois m'infiltrer, il me semble, dans l'entrepôt. Ouais, allez. Faut que je passe là-haut, en fait. Là-haut, c'est ouvert. Hein. Mais après, c'est une séquence un petit peu relou. Enfin, qui peut être relou. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir, finalement. Quoique... attendez. Je retrouve comment on fait, en fait, pour passer là-haut. Est-ce que je peux escalader? Est-ce que je peux tirer une caisse? Je pense pas. Est-ce que je peux piquer un char ou l'élévateur? Je pense pas non plus. Là, je peux pas grimper. Je pense qu'il faut que j'y aille la journée, en fait. Il y a un truc comme ça. Ah,
est-ce qu'il est le garde qui patrouille d'ailleurs? Il est plus là, il est parti? Ah, attends, je vais interroger lui. すいません。はい。何ですか?大発倉庫ってどこですか?ああ、倉庫探してるんなら壁見てくれるかな?番号書いてあるはずだから。Oui. Ah, je pense qu'il faut que je... Peut-être que je regarde le numéro 8. Là, c'est le 8, hein, d'accord. Je vais reparler pour voir. J'y suis, mais... Il me dit pas que j'y suis, ça m'énerve. Bon, j'irai deux jours la prochaine fois. On va faire ça. Je vais me rentrer. Est-ce que j'irai pas à la cafétéria? Tant que je suis là. Si je me souviens où c'est. Je sais plus où c'est. Ouais, mais je pense qu'il faut que j'aille deux jours en fait. Parce que de nuit, je vais me faire refouler de tous les côtés. Je reviens deux jours, on me dira ah bah non, faut y aller de nuit parce que sinon patati patata. Et là j'aurai le droit d'y aller. Mais là c'est trop tôt je pense. Bon. Où c'est la sortie? La sortie. Ah bah c'est là. Ah non, c'est pas là. Dis donc, ouais, chouchouchou là, comment tu me causes hein? Bon, je m'en vais. Eh, c'est pas là la sortie. Bah c'est où alors? Ah! Alors. J'ai réussi à me perdre, c'est pas chouette ça? Ah, ah c'est la cafette? Ah non. À la neige. Il y a un tomato, mais je pense qu'il est fermé. Non, il est ouvert. Mais bon, peu importe. Ah non, bah non, pas peu importe. Peut-être qu'il y a des lots spéciaux là-dedans. Allez. Après, j'aurai plus de bus pour repartir. Oh, des fléchettes! Non, je vais me barrer. Faut que je m'en aille. Je vais partir. Je rentre chez moi pour ne pas gronder par Inessan et ne pas avoir d'argent de poche. C'est bon.
J'ai plus qu'à attendre. Miyu. Oui, j'arrive. Je vais me coucher. Oui. Et voilà. Allez. On verra la prochaine fois. On a pu tâter un peu le terrain au moins. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Elle a fait un saut. Allez, on rentre, je rentre chez moi. Le jeu est encore beau, hein. Franchement, de nuit, avec les éclairages et tout, ça rend bien. Hein. Je parlais avec JP avec qui je discutais là dimanche en jouant à Death Dungeon. Hein. Et Bayonetta fête ses 15 ans cette année. Et 15 ans avant Bayonetta sortait Sonic & Knuckles. C'est fou quand même, quand tu vois l'écart. Hein. Technique entre les deux jeux. Et finalement, alors que Bayonetta pourrait quasiment sortir tel quel aujourd'hui, que personne n'aurait rien à dire. Hein. C'est assez saisissant quand même. Même si maintenant on fait des jeux qui sont de plus en plus potentiellement réalistes et techniquement qui peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire avant, visuellement. On est quand même très très loin de l'écart technique qu'il y avait il y a 15 ans, quoi. Allez. Ah. Ah. Moshi moshi. Ah, Nozomi. Harasaki ka. Doushita? ちょっと話したいことがあるの。これが会える?桜ヶ丘公園で私待ってるから。ああ、分かった。葉月くん。原崎、どうしたんだ? 呼び出したりしてごめん。いいんだ。二人きりで話したかったの。でも、葉月くんが大変な時に言っていいものかどうかって。大事な話か。ええ、私にとっては少し話す時間ある。ああ。でも、あまりゆっくりはできない。わかった。やっぱ、ゴンデパマ、パマボンナ、シジャストロンタン、ミュート。 葉月くんが落ち着いてから打ち明けようと思ってたんだけど、一人で胸にじっとしまってるのはもう耐えられなくて苦しくて、ごめんなさい。原崎、私、葉月くんのことが今言わないとなんだか永久に言いそびれてしまうような気がして。 何かあったのか?メキリ、コン。カナダの母から電話があったの。父がどうしても私を呼び戻せって言い出して。帰るのか?すぐに。わからない。でも、葉月くんに私の気持ち伝えないまま帰れない。わかってた。え?でも、今の俺にはどう答えていいか? わからない。後でいいから、葉月くんの気持ち聞かせて。Genre, et cela joue Han Solo, ouais, je sais.
なさい。原崎、黙ってカナダに帰るなよ。うん。じゃあ。Mais quelle espèce de gros naze! Mais quel immense nulos! C'est pas possible! Elle entraîne toi, va. Allez. Je te jure. C'est pas possible. Quelle espèce de gros nulos. Ça veut dire oui, gnagnon, les filles, elles aiment pas les mecs sympas, elles veulent que les bad guys, mais va te faire. Maman. Anyway, allez, on finit là-dessus cette séquence extrêmement romantique. Merci à tous. Voilà, merci à toutes, merci pour vos abonnements, Spitouron et Manu. Vous êtes les best. Après parler avec des tatouages, avec des motos et qui parlent comme ça, avec une banane comme Goro. Donc voilà. Toutes les salopes. Voilà, merci à tous. On se retrouve, nous, mardi. On va continuer à faire 2 streams par semaine à partir de maintenant pour un petit peu tracer. Bonne soirée à tout le monde. On va faire un petit raid. Est-ce qu'il y a un petit raid à faire, là, peut-être? Qui est en stream, là, actuellement? Harunotaku est en stream. Allez, on va aller voir ce que fait notre ami Harunotaku. Merci à tout le monde encore une fois. Rendez-vous sur Sega Mag. On a plein de news en cours sur la Sega Saturn. Passez une bonne soirée. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.